Bon matin! Les tortues géantes de Galapagos ont fait un bébé. C'est le premier en 100 ans. Ça veut dire que oui, ils sont encore fertiles. Même si on le savait déjà, pis que c'était pas qu'ils faisaient pas de bébé, c'est que les bébés survivaient pas. Mais c'est awesome! Pis c'est leur longévité incroyable qui les a sauvés. Imagine-tu être encore fertile à 100 ans, toi? Ah, pas ça, c'est la faute de l'homme s'il y en avait plus. Pis c'est pas comme si on avait besoin de tuer des tortues. L'excuse qui se cache derrière le génocide de cette espèce-là, comme d'à peu près tous les génocides qu'on a fait dans l'histoire, c'est encore une fois l'argent. Pis c'est stupide, parce que quand on y pense, les répercussions économiques engendrées par le braconnage sont pas vraiment positives. Y a pas mal plus d'argent dépensé à protéger une espèce en voie d'extinction que de profits générés, par exemple, à la vente de cornes de rhinocéros ou de fourrures rares. Ça revient au même pour toutes les espèces protégées. Mais tout l'argent investi à la protection de ces espèces-là est pas dépensé pour rien. Ça fonctionne! Les tortues géantes de Galapagos ont des bébés, la population de tigres augmente, puis pareil pour les léopards amures, c'est la deuxième année sans braconnage de rhinocéros au Népal, puis en Indonésie, leur population a augmenté de 1% avec une naissance. Hop, les tortues vertes de mer du Mexique puis de Floride sont plus en voie d'extinction, ils ont changé de titre. Mais c'est pas moins illégal de les chasser, donc aujourd'hui on le sait. Tout l'argent donné à la protection des animaux en voie d'extinction est utilisé efficacement. On a des résultats. Peut-être que si on arrêtait de pêcher, ça aiderait. Peut-être que si on arrêtait de porter du cuir pis de la fourrure, ça aiderait aussi. Mais ça, les gens sont pas prêts à arrêter. Man, le conflit de priorité. Man, les priorités des gens, le cuir pis la fourrure passent avant tellement de choses. What the fuck? Good job, guys. Vous changez le monde. Tout le monde change le monde. Un peu, à tous les jours. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, partagez-le, appuyez sur le bouton j'aime, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!